Gino. Ma fille alors. Les filles comme d'habitude. Votre table est prête. Merci. Merci. Et voilà, mia poupa. Merci. Il faudrait un quatrième menu. Richard déjeune avec nous. Richard? Ma que Richard? C'est les garçons avec la tête des fouines et des poils dans les oreilles. Non, lui c'est... Alors c'est celui qui photographie les pigeons et qui met des tongs en plein hiver. Non, lui c'est Franck, perdu. Richard c'est notre voisin, l'homme idéal, pas vraiment? Oh, Lou. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous présente Gino, voici Richard, et Richard, voici Gino. Ah, belle, Richard, je suis sûr que vous avez toujours rêvé de visiter une pizzeria. En fait, pas vraiment. Ma si, suivez-moi, en route pour une visite guidée spéciale, Gino. Il ne va pas oser lui faire passer le test quand même, si? Si, j'ai bien peur que ce soit ça. Fallait s'y attendre, c'est son rituel, il l'a fait à tous les autres. Waouh, elle est super nickel, votre réserve. Il va où, l'escalier? Il conduit au jardin. Et là, c'est... La chambre est froide. Oui, ça porte rudement bien son nom. On peut pas dire qu'il fasse très chaud. Alors, il paraît que vous êtes l'homme idéal. De qui? De mia poupa. Vous êtes amoureux d'elle. Amoureux? C'est juste une voisine. Pour l'instant. Ah, porca miseria! Ma qu'est-ce qu'elle vous trouve? Pourquoi je... C'est quoi ce look? Regardez-moi ça! On dirait un gilet en peau de mouton morto. C'en est un. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis amoureuse de Richard d'abord? La première fois que tu l'as croisée, t'étais pétrifiée, toute rouge. Tout ce que t'as pu dire, c'était... un peu comme Lou maintenant, là. Hey, c'est pas Tristan, là? Mais si! Le jour J du premier contact est arrivé! Ma petite cocotte, tu vas enfin lui parler! Te dégonfle pas! Lamentable! Donc, pour résumer, vous avez fait du curling et vous écrivez une hôtesse. Et je joue aussi de la contrebasse. Désolé, ça ne va pas coller avec Poupa! Vous êtes trop... farabuto! Farabuto? Qu'est-ce que ça veut dire, farabuto? Bon à rien! Comment? Et vous pourriez rester poli. Allez, finis la comédie. Je vous laisse ici avec vos copains les calamars surgelés. Moi, je remonte. Porca miseria! Le pizzaiolo aurait tout de même pu nous apporter le menu. Allez, papy, t'énerve pas. Pour une fois qu'on va au restaurant. Ah non, je suis pas sûr, mais il y a des limites. Vous avez raison, monsieur. Et ma salade, alors? Il est allé l'accueillir dans le jardin ou quoi? C'est vrai qu'il est plus long que d'habitude, le test de Gino. C'est mauvais signe, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est mauvais signe, c'est cette odeur de brûlé. C'est dingue comme ça réduit à la cuisson une pizza. Alors, c'est une pizza 4 saisons, c'est pour l'été prochain ou quoi? Bien, comme dirait Sidéra, la baroudeuse du cosmos. Quand il faut y aller. Il faut y aller. Lou, tu vas prendre les commandes des clients. Notamment celle de Tristan. Bon, alors tu vas essayer de retrouver Richard et Gino. Bien, donc c'est Mina qui va prendre les commandes. Tiens, serre des olives aux clients, ça les fera patienter. Et toi, tu fais quoi? Moi, je cuisine. Faut bien les nourrir, tous ces braves gens. Maman, la dernière fois que t'as fait une purée, t'as oublié de cuire les pommes de terre. Je vais assurer. Je parie qu'il y aura au moins un client satisfait ce soir. Ok, si c'est pas le cas, c'est toi qui t'occupes de la lessive cette semaine. Ça marche. Madre mia, je vais perdre ma clientèle, faire faillite et être obligé d'aller vivre dans les bois. Mais non, Gino, rassurez-vous, nous serons congelés bien avant. Tout ça, c'était votre faute. Quoi? J'étais juste venu pour manger une pizza avec ma voisine. Qui m'a amené ici, hein? Qui? Et qui a cassé la poignée? À cause de vous, on est enfermés. Trouvez une solution pour nous sortir d'ici et presto subito.
Pas de problème. Figurez-vous que je ne suis pas du genre à me laisser démonter, moi. Au secours, les filles! On est coincés dans la chambre froide! Gino! Richard? Vous êtes là? Ouh! À l'aide! Ouvrez-nous! On est là! Ouvrez-nous! Au secours! C'est bien ce que je disais, Farabuto, si! Alors, Gino et Richard? Introuvable, la porte du jardin est ouverte. Ils sont peut-être sortis. Génial, à dire qu'on avait prévu un déjeuner sympa. Tant pis, on se passera d'eux. Vous voulez encore des olives? Oui, avec 3 pizzas napoletanas en dessous, s'il vous plaît. Ça marche. 3 napoletanas pour la table de Tristan, c'est urgent. En voilà une, chaud devant. C'est quoi ça? Une calzone. Et comme je n'ai trouvé ni jambon, ni fromage, ni champignons, dedans il n'y a que des brocolis. Allez ma cocotte, courage, apporte ça à Tristan et profites-en pour lui adresser la parole. Go, go, go! Allez! Mirette! Merci. Ça a l'air très bien cuit. Allez, vas-y, dis-lui quelque chose. Assure. Vous avez de l'huile pimentée? Non mais elle n'est pas un peu godiche, cette fillette? Un peu, tu es bien bonne. Elle a demain, elle n'apporte qu'une pizza. Elle peut dire adieu à son pourboire. Oh, soyez un peu cool. Elle doit être ici pour aider. C'est la première fois que je la vois servir des pizzas. Mais qu'est-ce que t'as fabriqué? T'y étais là, t'avais escaladé toute la montagne, t'avais les neiges éternelles à portée de main, hein? Je sais pas, j'ai eu comme le vertige. Eh oh les minettes, il y a des tas de pizzas made in moi à distribuer, alors au boulot! Je connais une louloute qui va se taper une semaine de lessive. Tenez. Je suis désolé d'avoir cassé la poignée, Gino. Et moi, je regrette de vous avoir amené ici pour vous interroger. Mais Poupa, c'est comme Mia Bambina. Dès qu'il s'agit d'elle, je deviens très inquiet. Moi, quand je la vois, j'ai envie de souffler doucement sur sa frange, de partager mes céréales avec elle et de lui jouer de la contrebasse jusqu'à ce qu'elle s'endorme en boule comme une petite marmotte à côté de moi. Bene. Et une pizza bolognaise, une. Vous mettez des ananas sur la pizza bolognaise, vous? Oui, et pas de viande. C'est une nouvelle et brillante idée du chef. Je préférais quand le chef n'avait pas d'idée. Et une pizza volcano pour mademoiselle. Alors? Eh ben, 100% des clients sont insatisfaits. Même le bulldog de Monsieur Verdier n'a pas terminé. Bah, je vais à la réserve chercher de la glace à la pistache. Mais personne n'a commandé de glace. Si, moi, j'ai besoin d'un remontant. Quand Flavio vit sa bien-aimée, il s'en fallut de peu qu'il ne mourût de joie au triste souvenir de ses infortunes passées. Autant que sous les poids de son bonheur présent. Hein? Vous connaissez les poèmes italiens du 14e siècle? Ah, bien sûr, c'est une de mes passions. Et moi, c'est le sujet de ma thèse. Madame Evra. Ben vous voilà enfin. Je vous signale que pendant que vous papotez, moi, je suis obligée de faire la cuisine. Quoi? Opération addition. Destination, la table numéro 7. Cible, Tristan. Objectif, entamer une conversation avec la cible. OK? Oui, chef. Nous ne remettrons jamais plus les pieds ici. Qu'est-ce que t'as trouvé? Rien du tout. Boubou n'a jamais aussi mal mangé. Maintenant, il a des crampes d'estomac. Moi aussi. C'était immonde. Absolument infect. Non, ne partez pas. Restez, Gino est de retour. Pizza gratuite pour tout le monde. Si c'est gratuit, alors... Ah si, Boubou.
Alors, ça s'est bien passé avec Gino? Disons qu'on a brisé la glace. Tout a mis du guacamole dans la pizza mexicaine. Ben oui, pourquoi? Oh, mamma mia! Ben, le guacamole, ça vient du Mexique. Re-salut. Tu t'aurais pas trouvé mon médiator par hasard? J'ai dû l'oublier sur la table. Bon, tant pis. À plus. Au fait, madame, si j'ai bien compris, c'était vous le pizzaiolo aujourd'hui. Mm-hmm. Bon, bah, je voulais vous dire que moi, j'ai bien mangé. Allez, salut. Yeah! À toi la semaine de lessive, ma louloute. Pas de problème. De bord du Zixornufle. Dérivons dans le vide sidéral depuis maintenant 8 jours. Le moteur est définitivement grillé. L'espoir que j'avais de le réparer m'a abandonné. C'était Sidera, baroudeuse du cosmos, commandant et unique membre d'équipage du Zixornufle, présentement à la ramasse. Coucou, je te parle là. Qu'est-ce que tu fais? T'es en pleine inspiration? Bof. Le moteur du Zixornufle est à plat. Ah ouais, je vois. C'est pas toi qui serais un peu à plat, plutôt? Ouais. Oh! Je sèche un peu sur mon roman. J'ai pas d'idée, je tourne en rond et du coup, ça me pompe mon énergie. Et sans énergie, eh ben, j'ai pas d'idée. Ok, ok, ok. J'ai saisi le concept. J'imagine que t'as besoin d'un déclic, d'une étincelle. Allez, Jean-Pascal, fais la toupie. Recule. Passe entre mes jambes. Fais le beau. Allez, avance. Saute. Tu sais quoi? Tu es vraiment désespérant. Salut, Lou. Dis-moi, il sait faire des tours, ton chat? Bah, il peut se lécher le dos et mettre ses pattes au-dessus de ses oreilles, mais à part ça, rien de très spectaculaire. Ouais, ok. Sinon, quoi de neuf chez toi? Déprime totale, ma mère est en pyjama, tout amorphe. Ouah, t'en as de la chance. Mina chérie, tu viens avec moi faire un squash? Deux secondes, maman. J'arrive. Ta mère, faut la sortir, Lou. Quelle voix du monde. Tu crois, toi? Ouais. Et ton nouveau voisin, le fameux prince charmant? Ça pourrait la motiver d'avoir un amoureux. Peut-être. Mais concrètement, je fais quoi? T'organises un plan coup de foudre. Tu veux dire comme dans un téléfilm romantique? Pareil. Ils se rencontrent, soi-disant, accidentellement. Et là, paf! Coup de foudre. Ok, je vais essayer. Après tout, j'ai rien à perdre et moi, je déborde d'énergie. Bon, je te raconterai. À plus, Mina. Allez, Jean-Pascal, vas-y, fais-moi voir comment tu grooves. Allez, bouge ton corps. Go, go, go! Alors, les idées, ça fuse? Ouais, je suis à fond là. Ouais, t'as l'air. Et moi par contre, j'ai une super idée. Si on faisait un gâteau? Oh,
Bah zut, c'est la misère ça. On n'a ni œufs, ni beurre, ni crème. Ni sucre, ni farine, ni levure. Bah, on va pas aller loin avec ça. Bon sang, mais je suis nunuche moi. On n'a qu'à aller chez le voisin. Il va se faire un plaisir de nous dépanner. Ça se fait, non, entre voisins? Maman. Allez, allez, allez. Une bonne douche et ça te donnera la frite pour faire notre gâteau. Mais quel gâteau? J'ai pas du tout envie de faire un gâteau. Très bien, on va trouver autre chose. Bouge pas, je reviens dans 5 minutes. Tu bouges pas, hein? Voilà, voilà, j'arrive. Tiens, salut petite voisine. Tu tombes bien, je voulais te remercier de m'avoir aidé pour mon emménagement. Oh, c'était rien. Au fait, je m'appelle Lou. Enchantée, moi c'est Richard. Richard, j'adore. Waouh, c'est trop romantique. Quoi? Hein? Non rien. Dis, tu t'y connais en électricité? Voilà, c'est cette lampe. Elle a fait paf d'un coup et après pouf, plus de lumière. C'est l'ampoule qui a grillé, quoi. Il faut la changer. Oh, ça doit être drôlement compliqué. Il suffit de dévisser l'ampoule grillée et d'en visser une neuve à la place. Je vais jamais y arriver, hein, c'est sûr. Donne-moi une ampoule neuve, je vais le faire. Génial. Une seconde, le temps d'aller à la salle de bain. Oh. C'est là que on range les ampoules. Ok. Maman! Maman! Mais... j'avais dit une douche, pas un bain. Allez, sors de l'eau, faut que tu t'habilles, j'ai besoin de toi. Oh non, je suis hyper bien, ma louloute, je me détends. En sortant, j'aurai la frite, tu vas voir. Bon, ben, désolé, on est à court d'ampoule. C'est pas grave, je repasserai quand tu en auras acheté une, ça va? Ok, ça marche. C'est bon, j'ai une ampoule neuve. Et moi, j'ai un gros paquet de linge sale. Je passerai chez toi, en revenant de la laverie. Maman? Maman, je... Bah, maman, mais qu'est-ce que tu fabriques? Fini le bain relaxant. Allez, te laisse pas abattre, je vais tout ranger. Et toi? Pendant ce temps-là, tu vas aller à la laverie sécher tout ça. Quoi? Mais je... Tu préfères rester ici et tout nettoyer? Jean-Pascal, et prends-en de la graine. Hey, alors, ça avance l'histoire d'amour de ta mère? Écoute, il y a eu quelques imprévus, mais à l'heure qu'il est, elle doit être en train de plier des culottes en papotant avec Richard. Waouh! Meuvla, je viens pour réparer la lumière, comme promis. Génial. T'es tout seul? Tu sais, pour changer une ampoule, je pense que ça devrait suffire. Je veux dire, t'as croisé personne à la laverie? Bah non, pourquoi?
Oh, pour rien. Ma mère devait y aller aussi. Non, non, j'ai vu personne, désolé. Oh. Attends-moi, je reviens. Mais, et l'ampoule neuve? Sur le bureau! Maman, allez, réveille-toi maintenant. Hein, quoi? Oh, Lou, ah ben ça alors. Quel rêve. Figure-toi qu'une sorte de jardinier en guimauve m'accusait de lui avoir volé son emmental, hein? Et à ce moment-là, il m'a attaché avec des saucisses. Et il m'a menacé en pointant un savon de Marseille pour me faire avouer. Il est parti. Qui ça? Non, j'en ai assez. Waouh, dis donc, t'as vu? La lampe s'est réparée toute seule. Oh, je vois une louloute qui n'a plus d'énergie tout d'un coup. Tu sais ce qu'il te faut à toi? Un coup de foudre? Ah, non, une gaufre au parc. Hey, Mina. Alors, ta mère et le voisin, ça marche ou pas finalement? Non, la vie, c'est pas aussi simple qu'un téléfilm romantique, hein. Je croyais que tout allait super bien, qu'ils pliaient des culottes ensemble. C'est ce que je croyais. Mais en fait, ils ont fait que se croiser toute la journée. Et sans se voir. Ah ouais, bah cool. Attends, il se passe un truc, je te rappelle. Vous savez, moi, j'adore me promener dans ce parc. Je vous verrai si vous serez amené à... J'en suis sûre. Je te présente Richard, notre nouveau voisin. On se connaît déjà. Lou m'a appelé au secours pour changer l'ampoule de votre bureau. Ah, alors c'était vous. Vous êtes bricoleur en plus. Oui, enfin, je sais changer une ampoule, quoi. Mais c'est génial, ça. Je pense que je vais faire souvent appel à toi. À vous. Et vous savez où me trouver? Bon, ben, à plus. À plus. Et voilà l'histoire, il y a eu coup de foudre. Comme dans un téléfilm romantique? Exactement, tout pareil. Et maintenant ma mère écrit, mais comme une dingue, elle a jamais eu autant d'énergie. Chérie, prends ton maillot de bain, il y a nocturne à la piscine du club. Je vois tout à fait le genre. Bon, allez, je te laisse, à demain. Prince Fulgor, besoin d'aide étrangère? Je suis Sidera, baroudeuse du cosmos. Mon vaisseau est en panne depuis 9 jours. Rassurez-vous, je suis un peu bricoleur. Génial. Je sens que je vais souvent faire appel à... Dorénavant, vous saurez où me trouver.
chaque mercredi à 15h45 précise, Tristan part à pied au conservatoire pour son cours de guitare qui commence à 16h. Le cours dure une demi-heure. Donc, à 16h30, Tristan repart. Il fait un petit détour par Game Zone, le magasin de jeux vidéo, et ensuite il rentre chez lui. Et là, il se remet devant sa console. Donc, tu as trois super occasions pour aborder Tristan et lui parler. Mmh. Sur le chemin du conservatoire, à la sortie du cours de guitare et devant le magasin de jeux vidéo. Dis, si on remettait ça à demain, je me sens un peu vaseuse, là. Non, la fuite n'est pas une solution. Peut-être, mais j'ai trop le trac. Le trac, et alors, c'est pas grave, Cendrillon aussi avait le trac avant d'aller à la soirée du prince. Ouais, et du coup, ça a mal tourné. Elle a perdu sa pompe en cristal, le carrosse et tout, quoi. Mais n'empêche qu'à la fin, le prince a fini par la retrouver. Allez, princesse, à toi de jouer. Mets ta robe de bal, allez, dépêche. Avec cette stratégie et cette robe, ça ne va pas rater. Tu crois? Mais oui. À plus, maman. Oui, d'accord. À tout à l'heure. Bon, ça va? Tu te sens prête? C'est le grand jour. Alors, c'est qui la meilleure? C'est qui la plus belle? Et c'est qui la plus craquante? Ben... moi? Bingo! Allez, le voilà! Vas-y! Go, go, go! Allez! Et appelle-moi vite pour tout me raconter! Comment ça, il a pris le bus? Ok, t'énerve pas. Va au conservatoire à pied et attends tranquillement qu'il sorte. Comme ça, plus de problème. Ben justement si, il y a toujours un problème. Si je marche sous la pluie, ma robe va prendre l'eau et comme c'est de la laine, je vais ressembler en 2 secondes à une vieille méduse. Pas de panique, reste zen. Tu vas trouver une solution et surtout n'oublie pas. Qui c'est la meilleure, la plus belle, la plus craquante? Ouais, ouais, ok, c'est moi. Sur la porte, démarchage interdit. Vous savez pas lire? C'est moi, Madame Schurm, la locataire du 4e gauche. Ah, voilà, voilà, j'arrive. C'est pourquoi? Vous n'auriez pas la clé de mon voisin de palier, par hasard? Le gars avec le gilet en peau de chèvre? C'est du mouton, je crois. Mais oui, c'est ça. Il a oublié de fermer sa fenêtre et il pleut chez lui. Je n'ai pas sa clé, mais j'ai son numéro de téléphone portable. La version live de Rock on the Paddock du groupe punk Les Taches. Londres 1978, quand le chanteur s'est électrocuté avec sa guitare électrique, c'est ça? Non, Manchester 1979, quand il s'est jeté dans la foule et que personne l'a rattrapé. Son dernier concert, quoi. Je n'en suis pas sûr. Vous avez quoi sinon dans le genre violemment antisocial? Bonjour, c'est Richard. Vous pouvez me laisser un message après la petite bête. Richard, c'est ta voisine de palier. En fait, je t'appelle pour te dire qu'il y a une petite inondation chez toi. Rien de grave, tu sais. En tout cas, je gère le problème. À ton retour, tout sera rentré dans l'ordre. À tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est encore? Vous auriez un tournevis à me prêter?
Je perds tout le temps mes clés, alors la serrurerie, je connais. À force de regarder les serrureries ouvrir ma porte, j'ai compris le truc. Vous allez voir, c'est simple. J'y suis presque, encore un dernier petit tour et... Je ne voudrais pas faire ma concierge rabat-joie, mais maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous auriez pas une échelle? L'ADN est une molécule que l'on trouve dans toutes les cellules vivantes. Même dans les saucisses? Oui, mon petit Helmut, même dans les saucisses. Encore raté? Pas de panique, on va trouver une solution, t'inquiète. Reste cool. Écoute, tu vas prendre un raccourci pour arriver avant lui à la boutique de jeux vidéo. Et tu l'attendras l'air de rien, d'accord? Donne-moi ta position, je vais te guider. Je suis au début de la rue Gainsbourg. Alors tu vas prendre la première à gauche. Le plus sûr moyen d'aller d'un point A à un point B, c'est la ligne droite. Ouais. Faites surtout bien attention de ne pas aller du point A au point rez-de-chaussée. Enfin, moi, ce que j'en dis, vous savez. Quoi? Non, c'est pas une crampe. J'ai le vertige. Au secours! Et voilà, continue tout droit et tu y arrives. Il est là. À lui, je te laisse. Je rentre à la maison, je vais vivre devant la télé sous une couverture et je mangerai des cookies jusqu'à la fin de mes jours. Quoi? Mais tu peux pas faire ça! Qui c'est la plus belle, la meilleure, la plus craquante? C'est pas moi! En fait, je t'appelle pour te dire qu'il y a une petite inondation chez toi. Rien de grave, tu sais. En tout cas, je gère le problème. À ton retour, tout sera rentré dans l'ordre. À tout à l'heure. Vous prépariez un numéro de cirque ou quoi? Oui, comme ça. Maintenant, vous pouvez retirer l'échelle. Dites, ça ne vous ennuierait pas d'enlever vos pieds de mon recueil de poèmes italiens? Je suis vraiment désolée. Je savais pas que j'avais le vertige comme ça. Et il ne faudra pas oublier de me rendre mon tournevis, hein? Et je m'appelle Lou. J'habite juste là. Lou, super. Et moi, c'est... Tristan, je sais. Et t'habites là, non? Ben ouais. Restons pas là, viens. Elle est sympa, ta robe longue. C'est original. C'est vrai? T'aimes bien? C'est moi qui l'ai faite moi-même. Regarde. Ça y est, il est parti. C'était chouette. Allez, à la prochaine. Tristan, attends, ça te dirait un ciné, un de ces quatre? Ou autre chose? Enfin, ce que tu veux, quoi. Ben oui, pourquoi pas? Alors, on s'échange nos numéros? Lou, écoute, j'ai réfléchi à un autre plan. Plus la peine, ça y est. Ça y est? Je lui ai parlé.
parce que c'était mon... C'était le moment le plus romantique de toute ma vie. Franchement, moi je dis merci la pluie. Salut, je voulais te dire pour ce qui s'est passé cet après-midi. Ah, tu veux parler de ton plancher inondé, de ton canapé bousillé, de l'urine de chat partout et des livres piétinés? Oui, mais je... Enfin, c'est moi qui... J'ai pas été très sympa quand je suis arrivé. T'as dû avoir drôlement peur sur ton échelle et je ne t'ai même pas dit merci. Pas un mot, rien et... Donc tu... Tu ne m'en veux pas? Bien sûr que non. J'aime bien bricoler. Je vais me refaire une porte, c'est pas un problème. Allez, salut. Alors? Alors, tout va bien. Et je crois que c'est le moment idéal pour une... Une danse de la joie! Tu sens pas super bon. Mais bon, t'as l'air sympa. Allez, Zou, retourne d'où tu viens. J'ai du boulot, moi. Oh. Tiens, ça devrait te faire du bien. Oula. Hé, hey, doucement. Wow, t'as pas mangé depuis quand? Salut Mina. Salut, ça va? Tu tombes super bien. Ah bon, pourquoi? Tu devineras jamais qui vient d'arriver chez moi. Tristan. Mm-mm. Le prof de maths. Mm-mm. Johnny Depp. Mm-mm. Incroyable. Un chat? T'as un chat, toi, maintenant? Il s'est incrusté. Le problème, c'est que maman va faire une attaque. Ouh. Hey, elle adore les animaux, non? Ouais, sauf les chats. Ah bon? Ça date de quand elle était petite. Un jour, elle jouait tranquillement dans le jardin à Mortebouze. Tout d'un coup, elle a vu passer un chat tout mignon. Elle a voulu le caresser, mais le chat s'est sauvé. Et il est monté direct en haut d'un arbre, tu vois. Du coup, ma mère, elle a grimpé pour rejoindre le chat, tu comprends? Mais ce chat, en fait, il était pas trop sympa. Il lui a déchiqueté la main, le chat, sous le coup de la douleur. Ma mère, elle est tombée de l'arbre, pile dans une flaque de boue. Aïe, la tuile! Tu m'étonnes. En prime, elle a pris une fessée pour avoir abîmé ses vêtements. C'est pour ça qu'entre elle et les chats, c'est la haine. Dure. Et là, au fait, elle est où? Elle fait du shopping. Elle a décidé de changer de look. Encore? Bah ouais. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous être utile? Oui, voilà, j'aimerais changer de look. Il me faudrait de nouveaux vêtements. Ça tombe bien, on en vend. Oui, bon.
Vous préférez quel style? Ben, en fait, j'aimerais quelque chose de féminin, mais quand même pas trop. Je ne suis pas non plus, vous voyez quoi. Je veux dire, ce qu'il me faudrait, ce sont des vêtements qui fassent jeune, mais qui me donnent une certaine maturité. Et surtout, un truc assez habillé pour que je puisse le mettre tous les jours. Je vois que madame sait ce qu'elle veut. Et toi, t'aurais pas envie d'adopter un chat? Avec Jean-Pascal, t'es dingue! Il est hyper jaloux comme chien. Non, ce qu'il faudrait, c'est le refiler à quelqu'un. Oh, j'ai une idée! S'il vous plaît. Ah, oh, magnifique! Ouais, c'est pas mal. Un peu strict, peut-être. Et puis, ça me vieillit, non? Et c'est un peu serré à la taille. Et puis, j'aime pas trop la couleur. Non, non, je vous assure, c'est nickel! Ouais. Finalement, bof, je vais essayer autre chose. Prenez votre temps. T'es sûre de toi? Sûre. Ah. Madame Chiume, c'est l'amie des bêtes. Elle recueille tous les animaux errants. Qu'est-ce que c'est? Vous venez payer le loyer? Non, c'est moi, Madame Chiume, c'est Lou. J'arrive, ma petite, j'arrive. Bonjour. Voilà, on a trouvé un petit chat et on se demandait si vous pourriez pas l'adopter. S'il vous plaît. Il est à qui, ce chat? Ben, comme on l'a et trouvé... comment il s'appelle? Oui, ben, je sais pas. Il est propre, au moins. J'en sais rien. Bon, d'accord, je le garde. Alors, on est un bon chat-chat. Ah, voilà. Tu vas te plaire ici. Tu as plein de nouveaux copains. Oui. Je te présente ta nouvelle maison. Oula, doucement. Mais n'aie pas peur. Reviens, Minou, reviens. Minou. Il a filé. Tant pis pour lui. Il a vraiment un caractère de cochon, ce chat. Allez, viens, fais pas cette tête. C'est sûrement mieux comme ça, avec ta mère et tout. Partir chez lui. C'est pas ce que tu voulais? Oh, dingue! Il est revenu! Génial! Mince alors. Bon, cette fois on va l'attraper et le donner à quelqu'un qui saura s'y prendre avec lui. Hé! Hey! Où tu vas? Viens ici! J'y arrive pas! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça se porte comme ça. Vas-y, coince-le. Caramba! Encore raté. J'ai une autre idée. Je vais louer un costume de souris et... N'importe quoi. Et si t'avais été plus à droite pour l'attraper aussi? Oh, ça va, hein. Si tu le prends comme ça, je te laisse te débrouiller toute seule. Attends, je m'excuse, là, voilà. Bon, ok. Mais si tu veux capturer ce minou, tu devrais faire appel à un professionnel. Mais qui? J'en sais rien, moi. Un gardien de zoo ou un dompteur? L'ancien de l'immeuble! Il était dompteur? Non, mais je crois qu'il a passé une partie de sa vie en Afrique. Et il paraît qu'il aurait capturé des milliers d'hippopotames. Quoi? Ben oui, c'était son métier. Là-bas, il était... des hippopotameurs. Ah! Oh, superbe! Ah oui, j'aime bien.
Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger. Voilà, j'ai un petit problème. Figurez-vous qu'il y a un chat chez moi. Il est en train de squatter, mais en même temps, j'ai pas envie de le chasser. Mais il y a ma mère, elle s'achète des fringues, elle déteste les chats et du coup, il s'est planqué sous le lit. Alors, j'ai besoin d'un petit peu d'aide et j'ai imaginé qu'avec votre passé en Afrique, vous auriez pu nous aider à l'attraper et Hé, hey, où allez-vous comme ça? La chasse aux félins est ouverte. Restez ici, camarade. Ça peut être dangereux. Vous savez, c'est juste un chat. Ce n'est jamais juste un chat. Il m'a donné du fil à retordre, mais je l'ai harponné. Qu'est-ce que vous allez en faire? Le garder, c'est justement l'ingrédient qu'il me manquait. L'ingrédient? Monsieur, attendez! Oh, salut Louloute, t'aurais dû venir avec moi. Je me suis éclatée. Ben, c'est quoi cette tête tristounette? Rien. Faut que j'y aille. Salut Mina. Salut. Bon, moi je rentre. Salut. Tada! Oh. Ben alors, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. C'est juste que... Ah! Quoi? Là, il y a un... Il est monté sur... Ah non, je déteste les... Hé! Je ne veux pas de cet animal ici! Non, il ne peut pas rester! Attends, je vais le faire sortir. Dis donc, l'ami, t'aurais pas vu mon ingrédient? Il a filé comme un lâche. Il y a du nouveau, monsieur, on a décidé de le garder, en fait. Ah bon? Dommage. Enfin, si vous changez d'avis, faites-moi signe. Et avant la prochaine pleine lune, si c'est possible. En Super 4, tir au flanc, ou la flaque, ou le boulet, ou Brandon 8, Hulk, Nyarlathotep, Kid Gérard. Petit chat, c'est maman. S'il te plaît, maman. Hey, ça t'ennuierait de m'aider à lui trouver un nom? Je cherche. Petit. Mongo Elvis. Chachoumou. Ah non, j'ai trouvé. Super Satori. C'est bien ça. Bof. Hey. Hey.
Laisse-moi deviner, t'es encore resté scotché à la console? Ben non, j'aurais bien aimé, mais non. J'ai bossé toute la nuit sur la traduction de cette fichue notice et j'ai pas terminé. C'est une notice de quoi? En fait, c'est censé être un grille-pain. Mais là, il y a marqué « In the coach blavet », ce qui veut dire « rester dans la voiture ». Alors, je ne comprends pas. Ben, c'est peut-être un grille-pain de voyage. J'en sais rien et à vrai dire, je m'en fiche. J'en ai ras-le-bol de ces traductions, ras-le-bol du Sildav et surtout, ras-le-bol de mon éditeur. Ah, l'affreux Kropov. Ben, t'as qu'à l'envoyer promener et après tu te lances, t'écris ton roman. T'en rêves depuis une éternité. Mon roman, tu parles. J'ai toujours pas de personnage principal. Ah, ben ça, c'est pas difficile. Il suffit de trouver une héroïne fougueuse qui se bat contre les méchants et qui aide les gentils. Ouais, je sais pas. Allô? Benek Kropov. Oui, je... Bonjour. Être déjà 8 heures et je pas reçu traduction vôtre. J'ai beaucoup contrarié. Notice traduite sur mon bureau ce soir ou moi pas payé. Good? Oui, good. Vous l'aurez ce soir, monsieur Kropov. Je l'espérais. Courage, man. Franchement, il y a des moments où il faut savoir dire non. Ta mère, elle devrait se rebeller. Ouais, je suis bien d'accord. C'est pas normal de se laisser marcher sur les pieds comme ça. Eh, dis donc, c'est pas un éclair au chocolat que je vois là? Allez, file-moi ton dessert. Qu'est-ce que tu disais à propos de ta mère, déjà? Par ordonnance personnelle, moi, Cropote le Chauve, j'exige que vous ameniez en mon château 2 cochons de lait, 3 poules 19 kilos de navets et 3 notices de baliste traduites en latin. Non, allons-nous laisser Cropote le Chauve nous affamer et surtout nous forcer à traduire de stupides notices en latin? Alors, la gueuse, ça avance? Oui. Je espérais travail à force. Je ne fais que ça, monsieur Kropov, je ne fais que ça. Ce gros troll de Karine te pique tous tes desserts depuis le début de l'année et toi, tu te laisses faire. Ben, faut me comprendre. C'est qu'en fait, elle me fait peur avec ses grands pieds et son sourire carnassier. Mais enfin, tu la connais depuis la maternelle. Ben oui, justement. Elle me fait peur depuis la maternelle. File-moi ton goûter. File-moi ton ballon. File-moi tes feutres. Je sais que je suis lâche, mais bon, j'ai jamais osé lui tenir tête. Jamais, hein, je sais pas comment faire. C'est simple, demain t'as qu'à pas lui donner ton dessert. Tu lui dis non et puis c'est tout. 3, 2, 1. Ça va? Bof. Tu as terminé ta traduction? Bof. Et t'as réussi à envoyer balader Kropov? Bof. Ok, bon, je vais fermer toi. Bof. La flemme. Alors, qu'est-ce que t'as décidé? Tu vas te faire taxer ton dessert par Karine une fois de plus? Non, pas aujourd'hui. Ah, tu vas enfin affronter l'ennemi. Bravo. Alors, ma petite poule, crêpe au sucre ou ananas au sirop? Rien, pas de dessert, merci. Hein? T'as capté l'idée géniale? Bah, tu prends pas de dessert? Ben non. Et du coup, Karine non plus. Et toc. C'est pas vraiment ce que j'appelle affronter l'ennemi. Hé, hey, la naine! File-moi ton dessert! Ah, ben zut, aujourd'hui j'en ai pas pris. J'avais pas très faim, quoi. Dommage, hein? Hé, hey,
Rosemary, qu'est-ce que j'apprends? Lou n'a pas eu son dessert, mais c'est hyper injuste, ça! Ma petite poule, faut savoir. Alors, crêpe au sucre ou ananas au sirop? Crêpe au sucre! Eh! Allez, file-moi ton dessert! Toujours aussi trouillard! Allez, à bouler les tortillas, les enchiladas, les faritas et surtout la traduction des plantes de la Mirador! Plus vite! Eh, mon? Ça va? Bof. C'est quoi tes soucis? Tu veux m'en parler? Voilà, j'ai une copine au collège et à la cantine, elle mange jamais son dessert. Ah bon? Pourquoi? Elle fait un régime? Non, mais le problème, c'est qu'elle se le fait piquer tous les jours par une fille pas sympa. Elle se fait racketter, quoi. Ben oui. Ma copine, elle en a assez, mais cette fille, elle lui fiche la trouille. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Pas grand-chose, à part surmonter sa peur et dire « basta, ça suffit ». Un peu comme toi avec Kropov et ses notices. Voilà. Tu connais pas cette BD? Je te la prête. Bonjour, mesdemoiselles. Aujourd'hui, compote, yaourt et la grande spécialité du chef Ivan, le vetnik. Je serais vous, je serais pas. La dernière fois, même les souris de la prof de biologie n'ont pas voulu des restes. Génial. Ça me donne envie d'essayer. File-moi ton dessert. Oh non, c'est pas sympa. Moi qui me faisais toute une joie de manger cette délicieuse pâtisserie. Ok, tu peux te la garder. Victoire! Pour la première fois depuis la rentrée, je peux manger mon dessert. Bravo! Régale-toi, ma grande. Tiens, il y avait plus de pain au raisin. Du coup, je t'ai pris une brioche. File-moi ton goûter! Maman, t'es là? Dans la salle de bain! Je peux te parler? Bien sûr! Tu sais, la fille qui se fait piquer ses desserts? Ben, en fait, c'est moi. Quoi? Mais je vais aller lui dire deux mots à ta racketteuse, moi! Non, laisse, je vais me débrouiller, même si je sais pas encore comment. Elle me file vraiment les chocottes, hein. J'en fais des cauchemars. Ma loulou, si tu veux, je peux te raconter une histoire pour t'échanger les idées, comme quand tu étais petite. Oh oui, c'est vrai que ça marchait à tous les coups. Comment elle s'appelait déjà ton héroïne? Ciborga? Sidera. Oui, Sidera, la baroudeuse du cosmos. Oh, je l'adorais. Tu veux que j'y aille? Laisse, c'est Kropov, il a déjà appelé 14 000 fois aujourd'hui. Il faut que je réponde. Bene Kropov, niet traduction, moi recevoir. Je maximum colère, être. Quand je maximum colère, être. Je perdre mes cheveux. Je chauffe à cause de vous. Je ferme maintenant les mesures de rétorsion que je prends contre vous. Vous avez demandé le secrétariat général galactique de notre empereur bien-aimé, Patron Kropov. Déclinez votre identité. Adresse, numéro de sécurité sociale galactique. Et nous... J'espère que vous avez terminé la traduction du plan d'attaque secret des rebelles. C'est en Aldébaran antique, c'est très compliqué. Ah oui! Eh bien, ce qui ne sera pas compliqué, c'est votre désintégration pour non-respect des délais, chère petite. Quant à toi, file-moi ton dessert. Non! Ça suffit! Garde! Saisissez-vous l'air! Désintégrera le plus lentement possible pour faire exemple édifiant. Mais qui êtes-vous? Je suis Sidera, la baroudeuse du cosmos, et je vous donne ma démission sur le champ. Et maintenant, Sidera, qu'est-ce qu'on va faire?
La liberté et les aventures nous attendent, petit. Oui, la liberté et les aventures. Quoi vous dire? Je dis, ça suffit. Vous n'aurez jamais votre notice. Stop, fini, basta. Et si vous êtes sage, la prochaine chose que vous lirez de moi, c'est un roman de science-fiction. Ouais. T'as trop assuré. Mais pour l'argent, comment on va faire? Bof, t'inquiète pas, je suis une des seules traductrices de Sildav au monde. Je trouverai bien du travail ailleurs que chez Kropov. Tarte aux fraises, tarte aux fraises. Hé, hey, file-moi ton dessert. Non. Que... Quoi? Ça suffit. T'auras plus jamais un seul de mes desserts. Qu'est-ce qu'elle me dit, la micro-punaise, là? Elle te dit qu'elle en a assez. C'est fini, stop, basta. Bon, si tu le prends comme ça, ok. De toute façon, les gâteaux, c'est pour les mauviettes. Oh. Yeah! À moi la liberté et les farandoles de dessert. Bah, tu manges pas ton dessert? Bah, non. Tu sais, moi, les gâteaux, en fait, c'est pas mon truc.